Je m'appelle Carmina Rai. Le jour où je suis née, c'est le jour où le monde s'est effondré. Les survivants ont dû apprendre à reconstruire leur vie sous terre. En surface, il n'y avait rien. Des cendres, le froid et la mort. Les gens pensaient que ça n'aurait pas de fin. Mais sans nous, la vie a repris son cours. J'avais déjà 6 ans la première fois que j'ai vu le soleil. Papa et maman ont eu le cœur brisé par ce qu'ils ont vu. Leur monde avait disparu à jamais, mais... mais pas moi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait. Nous n'étions pas les seuls à avoir survécu. Et lentement, mais sûrement, notre communauté a grandi. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps, on a vécu en paix. À Prosperity. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. De nouveaux espoirs. Mais... comme à chaque fois dans ce monde, c'était trop beau pour durer. Les ravageurs sont arrivés par l'Est, avec 2 sœurs à leur tête. Les jumelles. Quelqu'un leur avait parlé de notre petit paradis. Et ils avaient décidé de s'en emparer. On n'avait aucune chance. Ils nous ont pris nos provisions, nos maisons, nos familles. Il nous fallait un miracle. C'est là qu'on a entendu parler de Thomas Rush. Avec son capitaine, ils longeaient la côte ouest pour aider d'autres communautés à reconstruire. Et ils étaient à bord d'un train en direction de Hope County. Ma mère m'a envoyé leur parler pour les convaincre de nous aider à reprendre notre région. C'était notre dernier espoir. Notre salut. Mais là, tout a viré au cauchemar. Capitaine, vous êtes en vie? Seigneur, ils viennent! Ils viennent par ici! Debout, capitaine! Allez, debout! C'est ces putains de ravageurs! Ils vont nous massacrer! Debout, capitaine, debout! Nom de Dieu, Barnes! Si vous criez comme ça, vous allez les attirer vers nous. Rush, vous êtes en vie? Aidez-moi! Non, non, on n'a pas le temps, il faut qu'on se tire! Barnes! On va pas abandonner le capitaine comme ça! Ils arrivent, et vite. On doit rester bien groupés. C'est compris? Capitaine. C'est à vous de jouer. On doit trouver des armes, réunir tout le monde, et il faudra que vous nous trouviez une sortie. Plus facile à dire qu'à faire. Chaque chose en son temps, Barnes. Passez devant, nous on vous suit. Oh mon Dieu! J'ai cru que j'étais mort. On doit trouver le wagon de l'armurerie, s'équiper et sauver le plus de personnes possible. Par ici, Bart. Je suis le capitaine. C'est trop tard. On doit s'enfuir. Le sauver d'autres gens.
vous. Si quelqu'un s'interpose, tuez-le. Une tempête de sable approche. On aura des gros ennuis si on se retrouve au milieu. Vous apprendra à venir faire chier les ravageurs. Joyeux putain de Noël, bande de guignols. On a reçu un train entier rempli de beaux cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on a là?
Des lapins. J'ai une petite question pour vous, les lapins. Vous pensiez que ça finirait comment? Vous débarquez dans un immense tas de ferraille, sous un nuage de fumée noire. Vous pensiez que ce serait discret? Vous voulez quoi, Barnes? Vous êtes du genre à causer des putains de problèmes, ou bien à les résoudre? Quoi? Notre cher papa disait toujours que soit on cause des problèmes, soit on les résout. Et il y a déjà beaucoup trop de problèmes dans le monde. On cherche des gens pour nous aider à les résoudre. Enfin, nos problèmes. Si tu résous les problèmes, alors dans ce cas, on te gardera. Bouffe, vêtements, flingues... T'auras tout ce qu'il faut. On a même la sécu. Mais si tu nous causes des problèmes, là, notre père nous a appris quoi faire dans ce genre de cas. Tu poses des problèmes, on te résout. Notre vieux père a résolu plein de problèmes en son temps. Ouais. Oh, ouais. Alors, mes petits lapins, vous allez causer des problèmes ou vous allez les résoudre? On les résout, on les résout. On a résolu des problèmes partout dans le pays. On peut fournir l'eau potable, des abris, on peut faire tout ce que vous voulez. Barnes, la ferme! Tu peux faire tout ça? Bah... pas moi, mais... mais Rush... Alors toi, tu vas nous aider à résoudre plein de problèmes. Allez vous faire foutre. Ok. C'est bon? Donc, je repose la question. Vous allez résoudre tous nos problèmes, Monsieur Rush? Ok. Allez, sauvez-vous! Capitaine de la sécurité. Moi, c'est Carmina. Mon Dieu, je vous ai vu tomber dans l'eau et j'ai pu vous en sortir avant qu'il soit trop tard, mais... de ce que j'ai vu, je crois bien qu'on est les seuls à s'en être tirés. Allez. Ok. On doit faire attention. Les jumelles, elles ont emmené Rush, mais ça grouille encore de ravageurs dans le coin. Ok. On doit retourner à Hope County. Ma mère saura quoi faire. Allez. Allez, faut juste qu'on suive la rivière et on sera à Hope County. J'ai du mal à croire ce qui s'est passé. Ils ont dû voir le train arriver. J'aurais dû plus m'en méfier. Putain de jumelles, Mickey et Lou. La première fois que je les ai vues, c'est quand elles sont venues à la maison. Elles ont dit que c'était chez elles maintenant. Et qu'on avait le choix entre partir ou brûler vivant dans les décombres. Mon père a voulu résister. Alors elles l'ont emmené. Et elles ont pris la maison. Ma mère et moi, on a dû repartir de zéro. On n'était pas les seules victimes. Mais ma mère a réussi à réunir des survivants et on a tenté de reconstruire un endroit pour nous abriter.
Il y a un tunnel plus loin qui mène à Hope County. Mais les ravageurs bloquent le passage. Il va nous falloir de quoi nous battre. Venez, on avance. Je mourrai un autre jour. Depuis que Mickey et Lou ont tué leur père, la vie est une fête permanente. J'ai traversé la vieille mine pour aller chercher de l'aide. À l'intérieur, il y a un établi. Vous pourrez y fabriquer une arme. Rush devait nous aider à concrétiser tout ça pour pouvoir enfin riposter. Mais maintenant, c'est encore pire qu'avant. Je suis désolée pour vos compagnons. Je vous promets de trouver un moyen de les venger. C'est l'établi dont je vous parlais. Rush a dit que vous étiez plein de ressources. C'est le moment de le prouver. Vous pouvez utiliser ces établis pour fabriquer des armes et faire le plein de munitions. Jetez un œil aux armes disponibles. Ouais, on a besoin de plus de ressources. Il faut qu'on fouille un peu pour trouver ça. Regardez dans le coin. Vous trouverez des trucs utiles à peu près partout. Allez-y, cassez la serrure. J'ai vraiment cru entendre un truc. Hé, pensez aussi à regarder en hauteur. Tout ça, allez. Je veux voir ce que vous pouvez faire avec. Merde, c'est un truc qui lance des scies. C'est incroyable. Bien, ces ravageurs vont passer un sale moment. Maintenant, on est prêt à attaquer le pont.
C'est pas passé loin. Ok. Allez, on y est presque. Et voilà. J'espère que maman va bien. Oh, Dieu merci. Je me faisais tellement de soucis. Oh, maman. Les enfants, rentrez à la maison. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On avait tout un train rempli de gens prêts à nous aider. Mais... les ravageurs, les jumelles... ils ont pris Rush. Et ils ont massacré tous les autres. Oh mon Dieu. C'était un cauchemar. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. C'est moi, maman. J'aurais jamais dû aller là-bas. Oh chérie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas. Je veux dire, personne viendra nous aider. On est seuls, y'a que nous. Chut. Entrons à l'intérieur. Tu pourras me raconter tout ça. Je vous remercie de l'avoir ramené. Arrêtez, écoutez-moi. Vous maniez bien les armes. Et toi, tu sais t'orienter dans la vallée mieux que personne. Et? Et alors? Ça sert à rien de rester là à ruminer nos malheurs. Écoute, Rush devait nous aider à construire un endroit sûr. Alors, on va le faire. On a des gens courageux un peu partout. On doit juste les trouver. Et les rassembler. Pour montrer qu'on n'a pas peur des ravageurs. J'ai peur que ce soit pas facile. Je sais. Mais on n'a pas vraiment d'autre choix. Honnêtement, je pensais pas que Carmina reviendrait, et en plus, avec de l'aide. Ce foutu coup de soleil sur mon bide est atroce. Vous avez une minute? On va devoir mettre les bouchées doubles pour développer cet endroit.
demande ce qu'on fera quand on sera à court d'adhésif. Voilà, on y est. Chez moi. Maman a raison. À nous deux, on peut se débrouiller pour reconstruire cet endroit. Si vous avez besoin d'un coup de main, contactez-moi. Je viendrai combattre à vos côtés, capitaine. Ça vous dérange pas si je vous appelle capitaine ? Capitaine de la sécurité, ça fait un peu trop... sérieux. Bon, vous avez eu un sacré coup dur. Si vous voulez vous rafraîchir et vous changer avant qu'on s'y mette, vous trouverez des vêtements là-bas. Vous devriez parler à ma mère. Elle vous expliquera ce qu'on peut faire pour aider Prosperity. Quoi qu'il arrive après ça, je suis content que Carmina soit de retour. Les gens qui n'ont pas vécu l'effondrement peuvent pas comprendre. J'ai des choses à vous dire. Bonjour. Moi, c'est Kim. D'une certaine façon, c'est un peu moi qui commande ici. Je sais que vous avez beaucoup souffert, capitaine, mais... à dire vrai, on a besoin de toute l'aide possible, ce qui veut dire qu'on a besoin de vous. On pensait que les gens du train allaient pouvoir nous donner un avantage. On devait tous collaborer pour cultiver et fabriquer des trucs. On était censés riposter contre les jumelles. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Bon. On va devoir se débrouiller. On a du pain sur la planche. Je vais vous montrer comment on fonctionne ici. Il y a forcément d'autres endroits dans le monde. Ici, c'est Prosperity. Si on veut avoir la moindre chance contre les ravageurs, la première chose à faire, c'est de remettre cet endroit sur pied. On a plusieurs installations pour développer Prosperity. C'est là que vous pourrez fabriquer des armes et des véhicules, cultiver des plantes pour vous soigner, et d'autres choses encore. On se débrouille aussi bien que nous. Et voilà Hope County. Pour exploiter au mieux nos installations, on a besoin d'éthanol pour les améliorer. Votre carte indique les avant-postes des ravageurs, où ils stockent celui qu'ils nous volent. Libérez-les pour obtenir ce qu'il nous faut. Et c'est ici que vous trouverez des spécialistes, des gens experts dans leur domaine pour nous donner une chance contre les jumelles. Ramenez-les et Prosperity s'en trouvera renforcée. Et vous aussi. Mais sans Thomas Rush, on n'ira pas bien loin. Il a déjà construit d'autres colonies. Sans son aide, on n'arrivera jamais à développer Prosperity. Ces derniers temps, les jumelles envoient pas mal de prisonniers dans leurs mines de charbon. Je commencerai par là. Alors voilà.
En sauvrage, on trouve des gens pour s'occuper des installations et on leur apporte assez d'éthanol pour optimiser ce qu'on sait faire. Si vous pouvez nous aider, nous ferons tout pour en faire de même. Ouais, je sais. Salut. Bonne journée. T'as le cul bordé de nouilles d'avoir survécu à ce crash. Qu'est-ce qu'on va construire ? Hello, jeune homme. Oh, salut. C'est toi le capitaine du train, non ? C'est bon, en avant. Changer à Okunzi. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la seule façon de rester en vie. Si vous croisez quelqu'un qui porte un sac à dos, je vous conseille de voir ce qu'il transporte ou ce qu'il serait prêt à vous échanger. On peut dire que j'ai eu de la chance.
connu pire. Ok, je suis là. J'ai cru que j'étais foutue. Non, je bouge.
Oh mon Dieu. C'est pas vrai, je croyais que vous étiez mort. J'aurais pas dû douter de vous. Vous êtes revenu pour moi. Oh, espèce de cinglé. Vous êtes revenu pour moi. On doit partir. Vite. On se met en route. Prenez la tourelle. Je vous fais sortir d'ici.
jamais cru m'en sortir en vie. Merci d'avoir risqué votre peau pour moi, capitaine. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Une nuit, la mine a été attaquée par des gens sortis tout droit de l'âge de pierre. Ils se battaient contre des fusils à pompe, avec des arcs et des flèches. Ils prenaient des balles, mais revenaient à la charge. Je crois pas à la sorcellerie, mais je sais ce que j'ai vu. Ces gens avaient quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Si on découvre leur secret, on aura peut-être enfin une chance contre les jumelles. J'ai vraiment crevé. Faut que je reprenne mon souffle. On peut dire qu'ils vous ont pas fait de cadeau. Ça va, je vais bien. D'ici deux jours, ça ira mieux. J'ai bien entendu. Vous êtes Thomas Rush ? Vous devez être Madame Rye. Carmina m'a beaucoup parlé de vous. Votre fille a un sacré caractère. Là, vous m'apprenez rien. Carmina, apporte-moi l'alcool. J'y vais. On va regarder votre blessure. Doucement. Vous allez devoir remettre ça en place. Oh. Et il n'y a plus que vous? Oui. Désolé, j'imagine que vous vous sentez... responsable. Les jumelles sont douées pour vous faire perdre espoir. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'aide. Je suis pas sûr de pouvoir vous être très utile. Rien n'est encore perdu, Rush. On doit faire comme on avait dit, reconstruire et renforcer. C'est pas aussi simple. On avait des spécialistes, des experts. Mais vous étiez peu au début. C'est pas très différent. Vous l'avez déjà fait. Montrez-nous. Il va nous falloir du monde. Des gens qui ont envie d'apprendre. Et très vite. D'accord. Ok, bon. Et maintenant, vous êtes prêts ? Ouais. Go. Bon, très bien. Tous au travail. Wow, doucement, stop. On va aller se reposer, d'accord? Ah, c'est une bonne idée. Bonjour. Bonjour. Bonjour.